Here is Emirates Team New Zealand's new boat 2, Te Rihatai, out sailing early in the morning, rigging up close to the Devonport wharf around 8:30 a.m., before taking off down the harbor. See how easy she lifts to her foils in a light 5 to 10 knot breeze. Now all teams have their race boats on the water, dialing up for the first event of the America's Cup 36th edition, in a few weeks' time. The last 7 days, in the sport of sailing, it has been momentous. Alex Thompson has been rebuilding his broken boat whilst racing, the Van de Globe fleet has spent time in the St. Helena High. Thomas Ryant has had foil damage. Meanwhile back in Lorient, France, two high-quality multi-30 trimaran crews, led by France's top offshore sailors, have both set out to break the round-the-world sailing record, the Jules Verne Trophy. And around Christmas time all these boats will be in the Southern Ocean. It's going to be busy down there on the iceberg line. We also are looking at how the Kiwis built their America's Cup Defender boat too. Alex has his drill working overtime. Hitana and Sotibo start their Jules Verne race around the world. Boris Herman has a mid-ocean meetup. The 14th Yessensen International Yacht Race was successfully held in Tongyeong City. And finally we look at Sotibo, the huge foiling trimaran that Thomas Coville and his crew are hoping to break the Jules Verne record. For us, this is it. This is our sort of mini America's Cup within the campaign, because if we don't deliver this boat on time, then we've failed. So, you know, there's a bit of pressure on us, but we're used to that, and we know how important it is for the team to receive the boat on time. So we'll be guns blazing from today onwards. Yeah, we take it pretty seriously. To be part of something like this is pretty special, so everyone's just chomping at the bit to get going, really. Today we get to see the boat as a whole, actually finally see what the shape is finally like. This is the first Team New Zealand boat that's actually been built and designed entirely within Team New Zealand. So it's a pretty proud moment for the team. We've worked hard to produce a design which we think is gonna be really the best of both worlds, be really strong and accelerating in light conditions and getting up out of the water, but then also have really good aerodynamic performance in a straight line across the wind speed range. Probably the biggest difference is just the attention to detail from stem to stern, you know, over the full length, every single part has been designed and engineered to the nth degree. You know, for every square metre in the boat, there's so much more labour that goes into each single part than any other boat we've built before. A couple of big weeks going on behind us here. We've got a bit of a deck going on now, so that's the next big push for these next week or two. Is obviously the job that everyone doesn't really like is the sandy part of it, but they're accustomed to it now. So the boys have all jumped over with a bit of manpower onto the deck and looking into that with a run to this week achieve glassing it by the end of the week. We really just had to scramble to make sure the facility was ready to close. Kind of knew before shutdown how long it would take and how many people we would need to catch up the lost time. So we're pretty comfortable that we would always be able to recover as long as we could get the right guys. Progress is real good. Like, the boys have been smashing out some big hours, trying to get through this as quick as we can. Yeah, we lost the 5 weeks, so we've gained up a bit. We're still just working hard and doing everything we can, and we're getting there. Our job is to produce the best weapon for the guys that we possibly can, and it is just that constant pressure to get the thing finished on time, yeah, to the right quality and without making mistakes, because mistakes soak up more time. The guys have had some long weeks, long days, so to see this stuff where we're actually
daily there's things that are cheap. It's a really good boost for them all, actually, when they see what they've done for the day. So yeah, they're happy. I think that's what probably excites me the most, you know. There is no rule book. It's like you're making it up on the fly, and everyone's done so well on that as well, you know, all the boys. Even the young guys that we got in, we got extra help in, you know, they've learnt so much. It's an absolutely incredible feeling to come and see the boat, you know, just popped out of the mould. You almost feel like a NASA astronaut going and watching the space shuttle, you know, get pulled out of its mould. It's sort of that same feeling as part of the sailing team. It's the boat you'll actually go out and defend the America's Cup on, so a really special time. Structural testing is a big one. It's pretty inconvenient at the time, but at the end of it, if it's all gone well, then it's a huge relief for everyone, builders and engineers. So to get through that was really quite pleasing for everyone. And then we knew we just had about two more weeks after that, finish the painting of the boat and all the final detailing, and then send it to town for its fit out. Yep, great day for the guys. Set out to build this starting back in February, and we're here now, so and going to deliver it 2 weeks early, so it's a huge achievement for the build team and the design guys too. Seeing that boat leave is pretty good. It's a pretty awesome feeling, you know, getting the bloody thing out of here. But also saying then you come back to work the next day and you're just a bit lost. Fingers crossed, we've done everything we can, and it'd be awesome to see it out there sailing and hopefully kicking some ass. Pretty proud moment, I guess. To get to the end is just so satisfying for the guys, and it feels like it's mission accomplished. Leave it to the sailors now, but if Bermuda's anything to go by, there'll be experiences where we'd need to dig it in and work through the night and repair some damage or make a modification. But, we just don't know. We can really never relax until the last race. Hello, Rob. Back up here again. Hopefully for the last time. Reinstate the caps so that around these big holes, you can see the edges. They're the bits that are important, apparently. So I'm going to put these great big girders in. You can see that. And that will replicate it. So I think that's quite hard up here tonight because we're sailing upwards now. So it's much bumpier and much more difficult to work. Obviously, we could stop and do the job, but I've been using miles. I'm still losing some miles because I can't sail with full pressure with a foil or with ballast or even with a big sail, so I'm compromised anyway. That airframe is going to work, so I've got to cut them. Dry fit them, bolt them, take it off again. And then sand and prep, glue and bolt. Thank you.
C'est une fenêtre intéressante parce qu'elle n'est pas très difficile à mettre en œuvre sur ces bateaux qui finalement n'ont pas besoin de beaucoup de vent pour pouvoir effectivement s'exprimer et aller très vite. Et c'est ce qu'on veut pouvoir tenter. Partir à 8 autour de la planète, c'est pas anodin, c'est quelque chose qui est très engageant. C'est un sentiment d'avoir une chance inouïe. C'est un sentiment de vivre dans une époque complexe, mais d'être une génération bénie des dieux, d'avoir le droit de partir en vol autour de la planète avec un bateau comme Sodebo aujourd'hui. Ça, c'est sûr. On essaiera de faire profiter et de donner cet élan aux gens qui suivent et aux gens qui sont comme nous à regarder plutôt la lumière plutôt que effectivement le nuage gris derrière. On y va, c'est parti. Que le front c'est vers à partir de 3h, j'ai l'impression 2h30. On essaiera de passer la ligne vers 3h juste après le front. C'est là-bas. Okay, ça va. On est parti. Ah effectivement ça a été très brutal, on n'a pas eu le temps de voir le truc arriver. Si on était à peu près dans notre tête à pouvoir partir ce soir, on sait que c'est un bateau exceptionnel. Si on a une météo avec un peu de réussite, on peut faire un temps canon parce que ce bateau il va vraiment vite quoi. Allez, ciao. Sur Canal 16, grand intention c'est de monter au nord de Ouessant sans rentrer dans le rail évidemment. Ah ok, tout bien reçu. Vous êtes à la voile ou pas? On est à la voile effectivement. Ok super. Juste avant votre provenance et votre destination s'il vous plaît. Alors notre provenance Lorient et notre destination revenir à Brest en moins de 40 jours. On part faire le trophée Jules Verne. Ça marche, je vous remercie beaucoup de toutes les infos, puis je vous souhaite un bon voyage et une bonne mer. On est à 3006 dans l'ouest de la ligne. Donc on va abattre là, plein cul, dans cette phase-là, on remontera le foil, on reloffe, on vire, on voit le sel et on abat avec la bonne toile. Quoi. On passe ce waypoint là et on part. Ah, écoute, on est pas loin de partir, sur des beaux parts. Et nous, je pense qu'on va pas tarder à suivre. Allez gars, on coupe la ligne dans une minute. On va couper là. Hein? On va bientôt couper. On a coupé la ligne. Parti les gars. Bon, okay. En 40 jours, on repasse dans l'autre sens. Hein? Ça y est, c'est parti. Et à 6h, on a été chez nous tranquille. 10h, 8h. See my shadow? As you can see. Need to explain much. Sunset. Cockpit is a mess as usual. It's my job now to clean up. It's just surfing these waves. Like a surfboard. It's like a breast also, like a long breast.
by a small and breast. This thing has a lifespan of about 5 years, gathering ocean data, and not only scientists can follow its position, but also the kids and learn about school topic, learn about ocean topics. Okay, here we go. The breeze has got really light. First time since start of the race, so I can be on the foredeck without getting wet and the boat is not bouncing. November 24th, 16th day in this Vendée Globe. And as you can see on the tracker, two boats are almost on top of each other. Maître Coq and Sea Explorer Yacht Club de Monaco. Yannick and I, we met yesterday already during the day and had a little chat on VHF. And overnight we did a nice little match race. First I was gaining and then he was gaining between the two morning skets. He was gaining 7 miles in a short time and I was furious. But tonight, luckily, I could catch up and we met again. And he was coming on the foredeck, waving to my drone. And it's a funny way to see someone so close and through my little display on the iPad. And we are now compagnons de route. Yannick Bestaven and I sailing together here south on fifth and sixth position at the moment. And it's really nice to share this strange moment of no wind in the middle of the St. Helena High with someone. It's much easier to see someone close, to have a reference, to have a motivation to make the best out of this breeze. And beautiful sunset. Really nice surprise to have this moment, sharing this moment together on the ocean. Cheers, guys. Thanks for watching and see you tomorrow.제14회 이수신 장군배 국제 요트 대회 참가를 위해 우리 시를 찾아주신 요트 선수 및 가족 여러분께 따뜻한 환영의 인사를 드립니다. 코로나19로 인해 당초 계획된 많은 행사가 취소되고 무관중 경기로 진행되어 무척 아쉽지만 아름다운 통영의 바다, 이순신의 바다 위에서 박진감 넘치는 경기를 통해 해양 스포츠의 꽃, 요트의 매력을 널리 알려주시기 바랍니다.
Salut à tous. Alors là, on est sur le ponton de la base à Lorient où est amarré le bateau de Sodebo. Donc c'est un trimaran de 32 mètres de long, 23 mètres de large et le mât, il culmine à 36 mètres de haut. Pour l'instant, le bateau, il est là parce qu'on attend une fenêtre météo pour partir autour du monde. Donc on est en train de finir de le préparer et dès qu'on aura une bonne météo pour partir autour du monde, on embarquera la nourriture et l'équipage et on partira d'ici. On va monter à bord. Ici, je suis sur le filet. On a deux filets, un de chaque côté de la coque centrale et les flotteurs. C'est ça qui donne au trimaran sa stabilité. Et ici, sur le filet, entreposé, on a les voiles. Les voiles pèsent jusqu'à 150 kg. Elles sont pliées dans les sacs. Et selon la configuration du vent, s'il y a plus ou moins de vent ou s'il vient plus de l'avant ou de l'arrière du bateau, on change les voiles. Du coup, l'équipage sort. On sort les voiles à l'avant, on les hisse en haut du mât et on les roule ou on les déroule. Mais la plupart du temps, ici, le bateau, il va tellement vite que de toute façon, on a énormément de vent apparent. Quand le bateau, il avance à 60-70 km/h, c'est un peu comme si vous étiez sur le toit de votre voiture sur la route. Donc du coup, l'équipage, il est obligé de s'abriter. Et on a cette espèce de cockpit d'avion, ici, juste à l'avant du mât, dans lequel on peut s'abriter pour piloter le bateau. On va y rentrer. Alors ici, à l'entrée du cockpit, on a ce qu'on appelle le poste de barre. C'est comme le volant de la voiture, sauf qu'on est sur le bateau. On en a deux, un de chaque côté. Ils sont un petit peu sur le côté, parce que ça permet de bien voir l'avant du bateau et les voiles en même temps qu'on conduit. On a des petits afficheurs qui nous permettent d'avoir les informations sur la force du vent, la direction du vent et la vitesse du bateau. Dès qu'il fait beau, on se met là et on peut barrer. Mais quand il fait mauvais et qu'il y a des grosses vagues qui passent par-dessus le bateau, on rentre dans la cabane. Hop, je ferme la véranda et je rentre. Une fois que le temps est mauvais et que c'est la tempête, on peut complètement s'abriter dans cette cellule de vie qui nous sert à manœuvrer le bateau. Ici, on a tous les cordages qui arrivent de l'avant du bateau, de l'arrière pour le réglage des voiles et même les cordages qui descendent du mât. Vous voyez, on est juste au niveau du pied de mât et tous ces cordages, on peut les tendre avec les winches. Il faut savoir que vu la taille du bateau et la taille des voiles, les efforts sont énormes et il y a plusieurs tonnes de tension dans chaque cordage. Quand on veut finir de border une voile, les derniers tours de manivelle pour le tendre, c'est énormément d'efforts et on se met à plusieurs équipiers pour tourner les cordages autour des winches et pour finir de les tendre. Pour ça, on utilise différents systèmes, soit l'hydraulique, soit manuel, et on peut connecter des colonnes ici qui nous permettent de tourner les winches à plusieurs, les uns en face des autres, et c'est démultiplié comme un peu les pignons d'un vélo, et ça permet avec beaucoup de force et d'énergie de l'équipage de finir de régler les voiles. Voilà, après on a aussi des commandes hydrauliques qui nous permettent de basculer le mât et on a toute une quantité de réglages qui nous permettent de faire avancer le bateau. Alors ici, quand il fait très mauvais, c'est vraiment le meilleur poste. Vous voyez, on a un petit siège baquet, un peu comme un siège de voiture de course. On est très bien installé, c'est très confortable, on est à l'abri. On a un petit hublot ici qui nous permet de regarder le paysage, de regarder les vagues, de regarder si les voiles sont bien réglées. Et ici, j'ai un autre petit volant, un peu plus petit que la barre qui permet de diriger. Celui-là, il permet d'utiliser le safran et la dérive de la coque centrale comme une aile d'avion pour pouvoir faire voler le bateau au-dessus de l'eau. On a un petit afficheur aussi qui nous donne toujours des indications de la vitesse, de la hauteur du bateau. Et c'est avec ça qu'on conduit le bateau. Il y en a un qui est à la barre et un qui est ici et qui fait voler le bateau au-dessus de l'eau. Mais aussi, on peut faire de la navigation. Le bateau, en fait, il est relié à la terre constamment par des téléphones satellitaires et on utilise un ordinateur et des logiciels pour faire la navigation. La navigation, c'est savoir où le bateau est sur la course ou sur le globe terrestre et savoir par rapport à la météo où est-ce qu'on veut aller. Toutes ces informations, c'est comme au bureau, on les reçoit sur l'ordinateur. Là, on voit le bateau. Pour l'instant, il est à Lorient. Et regardez, si je dézoome sur ma carte, je vois l'Europe, je vois l'Atlantique Nord et je vois la planète entière. Et comme ça, pendant tout notre tour du monde, on utilisera cet ordinateur pour savoir où l'on est et savoir la distance qui nous reste à parcourir. Une fois qu'on a fini la navigation, c'est l'heure de manger. Alors, à bord de Sodebo, on a aussi une cuisine pour nourrir les 8 hommes d'équipage. C'est très succinct, la cuisine, sur ce genre de bateau. Comme on est toujours en mouvement, on ne peut pas faire des grands plats. Alors, le principal, c'est de pouvoir faire chauffer de l'eau, garder l'eau chaude pour pouvoir se faire du thé ou du café ou manger du lyophilisé. En réhydratant de la nourriture qui a été préparée et qu'on a embarquée. Ici, c'est la couchette de Thomas Coville. C'est lui le skipper à bord. Il a le droit de dormir ici parce qu'il est en dehors du système de car. C'est-à-dire que les autres équipiers, ils tournent selon les conditions et ils iront se reposer à l'intérieur du bateau, en bas.
Mais lui, il peut dormir ici. Comme ça, il est prêt à bondir, à sortir, soit pour regarder s'il y a un problème ou s'il y a quelque chose à gérer dehors, ou pour jeter un coup d'œil à l'ordinateur. Il va rester les 40 jours ici à l'étage, entre sa bannette, l'ordinateur et le pont pour nous aider à manœuvrer. Un dernier élément très important de cette cellule de vie, c'est le placard à cirer. Parce que quand on va être dans le grand sud, autour de l'Antarctique, il va faire très 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 froid. Et quand on est mouillé, il n'y a jamais rien qui sèche. Alors on a construit comme à la maison, une espèce de dressing dans lequel chacun peut accrocher son ciré. Alors là, les gens, les équipiers, ils n'ont pas encore fait leur sac. Mais moi, regardez, j'ai laissé mon ciré. Hop, j'ai une petite salopette et un petit haut ici. Et voilà, on met tout ça ici et on peut le fermer. Et après, il y a un chauffage dedans et ça permet de sécher les vêtements. Comme ça, on va pas perdre nos orteils. Ici, on est à l'avant du bateau. C'est là qu'on vient amener les voiles quand on fait des changements de voile. C'est un endroit très, très dangereux. Quand on vient ici, souvent, on est obligé de s'accrocher. On utilise un harnais pour pouvoir rester accroché au bateau et pour pas risquer de se faire éjecter. Parce que si jamais on tombe à l'eau, c'est fini pour nous. Voilà, c'était une petite présentation du bateau. Mais comme vous le savez maintenant où il est, à la base à Lorient, vous pouvez passer quand vous voulez. Il sera là jusqu'à ce qu'on prenne le départ pour faire le tour du monde. Et l'année prochaine, il sera de nouveau ici. Vous êtes toujours les bienvenus à bord de Sodebo.